Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dialogue en direct qui se déroule un samedi après-midi. C'est exceptionnel, mais on a un invité qui nous vient de l'étranger, avec qui on va discuter de l'étranger. J'ai déjà reçu des personnes sur ce plateau, j'allais dire, c'est pas vraiment un plateau, hein, en tout cas en direct, qui nous ont parlé de communautarisme. Il y avait l'Alvarium à Angers, donc communautarisme en France. Daniel Conversano qui nous a parlé également du communautarisme depuis l'étranger. Et je reçois Jean-Marie Corda qui va nous parler de sa vision, sa propre vision du communautarisme, la raison pour laquelle il est parti s'installer à l'étranger et la manière dont lui perçoit et conçoit le communautarisme avec un modèle économique qu'il a conçu, qu'il propose, et il va nous en parler. Pour ça, je reçois donc Jean-Marie Corda. Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir, ça c'est l'habitude. Bonjour Jean-Marie, puis c'est les lunettes de soleil peut-être aussi. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Je vais les enlever du coup. On est le soir pour moi et j'ai des lumières, les lumières du studio dans la gueule. Et j'aime pas trop avoir des lumières dans les yeux, c'est pour ça que je mets des lunettes. Je les remettrai tout à l'heure, c'est pas un signe d'arrogance ou quoi. Je suis très arrogant, hein. Mais pour le coup, c'est juste pour pas me cramer le cerveau. Je fais une bise, salut à tous. C'est une bonne idée, ouais, ça me fait très très mal aussi, là, au bout d'une heure, j'en peux plus, enfin, je trouve une solution. Eh ben, merci d'être avec nous ce soir, c'est un plaisir de te recevoir. On va parler de communautarisme. Alors, personnellement, le communautarisme, j'étais vraiment assez contre l'idée il y a encore ne serait-ce qu'un an, et à force de recevoir des gens qui ont fait le choix de se communautariser, m'a fait un peu réfléchir et on va donner aussi une possibilité aux gens de réfléchir ce soir à cette question-là. Excuse-moi. Première question, pourquoi être parti? Je suis obligé de t'interrompre avant même la question. Alors, viens, attends-moi. Être contre le communautarisme. Et quand j'y repense, je me souviens des vieilles vidéos de Dieudonné où lui, il était contre tous les communautarismes. Il y a 5-7 ans, je pense qu'il avait des vidéos dans lesquelles il se plaçait. Ouais, c'était mon cas. Anti-communautariste. Quelle douille, quelle connerie, mais quel putain de... Quand on voit, tu vois, on peut évoluer. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi, toi, tu as fait le choix de partir à l'étranger et comment tu conçois le communautarisme pour que ceux qui nous écoutent, justement, peuvent, s'ils étaient comme moi, je ne suis plus de cet avis aujourd'hui, j'ai évolué sur la question, mais peut-être que d'autres personnes sont toujours bloquées sur cette question du communautarisme. Ça peut être l'occasion aussi d'expliquer comment toi, tu le conçois, comment tu le perçois et comment on peut être amené à évoluer aussi sur la question du communautarisme. Ok, bah, je te la fais simple. Hein. T'es 1 contre 20, tu perds à tous les coups. C'est clair? Tous les Français sont complètement isolés. Enfin, vous, les gars, moi, ça fait 10 ans, je suis plus là. Vous êtes entourés de communautés. Vous allez faire quoi? Vous êtes niqués. À tous les coups. Dans toutes les transactions, vous êtes dans un rapport de soumission, en fait. Mais c'est normal, vous êtes face à des communautés. Médiatiquement, physiquement, dans la rue, au niveau professionnel. Quand t'es isolé, t'es niqué. C'est tout. C'est comme ça. Quand tu es en communauté, tu as un avantage stratégique, ce qui fait que tu t'organises avec ta communauté pour choper des opportunités ou pour régler des problèmes.
Ça va beaucoup mieux. Bon, je vais développer tout à l'heure. J'ai une petite anecdote pour commencer. Oh, excuse-moi, hein, c'est moi qui prends les sujets comme je les veux. L'anecdote du journaliste. Je t'avais raconté un peu. J'ai reçu une demande d'interview d'un journaliste. C'est assez magique, Attention, ouais, télé nationale, Martin Veil, un mec petit journal. Je ne sais pas si tu vois, Canal+, tout le bordel. Et un mec, l'idée, un mec c'est admirable. Qu'il voulait une petite salope. Donc, c'est ce que mes amis m'ont dit. Moi, je ne connais pas le mec. Bon, ça passe, il est césar, c'est bien. Non, la pire des salopes, c'est le terme exact. La pire des salopes, c'est le terme qui est revenu le plus souvent de la part de mes potes. Et donc, ce type-là, qui était sur une émission, j'ai été contacté par une nana en disant on a beaucoup d'audience, genre 800 000 personnes qui vont regarder le documentaire qu'on va faire sur ma communauté, donc qui s'appelle DBL. Et ils voulaient m'envoyer quelqu'un. Tu vois, généralement, ils t'envoient un stagiaire ou ils t'envoient une jolie fille. Donc là, en Europe de l'Est, parce que moi, je vis en Europe de l'Est, ça fait 10 ans que j'ai quitté la France, ils m'auraient envoyé quelqu'un pour voir comment je vis, comment on vit avec mes frérots en Europe de l'Est. Et le stagiaire, ou en l'occurrence, là, c'était plutôt une petite nana. Donc la petite nana, elle aurait été sympa. Ne serait-ce que par instinct de survie, bah, elle aurait souri. Tu vois, à l'aéroport, ah, salut, je suis toute seule, bon, prends soin de moi. Donc j'aurais été sympa avec elle. Elle aurait eu sa caméra, elle m'aurait suivi pendant une semaine, entraînement de boxe, les repas au resto avec les copains, comment je bosse, comment on s'organise, les réunions, j'en sais rien, tu vois, elle aurait suivi ma vie. Et puis, vu qu'elle est sympa, j'y aurais montré ce que je fais, voilà. Après, ça revient à Paris, sur la table de montage, là, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ils te font un montage où, sur les 8 jours de tournage, ils chopent les 2 moments où tu pètes à table devant ta copine, où tu dis une connerie, enfin, ils chopent les mauvais moments. Après, il te coupe ça dans un petit truc, là, une vidéo de 2 minutes, et tu as Martin Veil, qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais croisé dans la vraie vie, il ne veut pas physiquement être dans la même pièce que moi, le mec. Donc, tu as Martin Veil qui sera là et qui fera des commentaires de petite salope sur une micro-vidéo qu'ils auront coupée complètement à charge. Et je leur ai dit, évidemment, d'aller se faire enculer. Et toi, au contraire, quand tu m'as proposé une interview, tu n'avais peut-être pas 800 000 abonnés sur ta chaîne, mais... J'en aurais jamais. Ouais, mais toi tu fais un travail respectable, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. J'ai regardé des interviews que tu as fait, notamment celle de Dany. Bah, tu fais le boulot, quoi. Tu poses des questions, tu parles au mec, c'est en live, tu le respectes, tu coupes pas les trucs, tu changes pas ce que le gars a dit, enfin, tu fais le truc normalement, quoi. Donc avec toi, pas de souci, avec plaisir, j'accepte l'invitation. C'est ce qu'on devrait tous faire en fait. Dès qu'on se prête à cet exercice, l'idée c'est de laisser parler les gens, après orienter les questions forcément. Mais et alors c'est intéressant cette anecdote parce que je l'ai entendu par ailleurs. Effectivement, ils font exactement ça. Hein. Ils font 10 heures de rush et ensuite ils prennent le petit moment un peu de faille où on a dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Et hop, et ils font 2 minutes ou 30 secondes, même parfois encore moins que ça, quoi. Donc il y aura pas d'émission avec Martin Veil qui, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était au Petit Journal et maintenant il est, je crois, dans Quotidien, ou alors il a fait un autre truc peut-être sur TMC, je sais plus où il est sur Quotidien encore, lui, non? Aucune d'idée, je me fous de ces gens là ils sont déjà morts pour moi, leur audience aussi, surtout leur audience. Alors quand on écoute tes vidéos, justement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Tu n'y as pas par 4 chemins pour dire les choses très clairement. D'après ce que moi je comprends de tes vidéos, la France, en tout cas, telle qu'elle est partie et aujourd'hui, est en état de mort cérébrale et qu'il n'y a plus du tout d'avenir. C'est comme ça que je perçois ton message. Il n'y a plus d'avenir en France et il faut se construire à l'étranger. C'est ça? Ouais, c'est pas tel que c'est parti. Ça y est, c'est déjà fait, quoi. Les gens qui sont encore en France, c'est... imagine, ta grand-mère, elle est déjà morte. Il y a des mouches qui tournent autour du cadavre en décomposition. Et même pas que tu n'es pas dans le deuil, t'es dans le déni. Genre, non, elle va bien. Elle est encore vivante. Elle va bouger, elle va se relever, elle va faire des choses. Non, elle est morte. La France, c'est pareil. La France est morte, les gars. Mais statistiquement, je veux dire, si t'analyses un graphique qui est tombé tout en bas, c'est fini. C'est mort. Il n'y a plus personne. Il y a zéro espoir. La France, c'est vivre avec des connards, se faire taxer à fond, être en danger. Si, le prochain news, vous allez avoir des talibans qui arrivent. Je sais pas ce que... Moi, ça fait 10 ans que je me suis cassé. Hey, c'était déjà la merde il y a 10 ans. Mais là, ce que c'est devenu, c'est même regarder ça de loin, je mets des lunettes, je suis en mode, oula, putain, je me bouche le nez, je suis comme ça, c'est chaud. Alors, hey, je parle de vous et je parle de votre environnement. Donc, c'est un petit peu dur. Vous avez trouvé que c'est arrogant. Ouais, non. Il y a des gens bien en France aussi. Il y a des Français exceptionnels. C'est ça le paradoxe avec la France. C'est qu'il y a 99% de merde et de connards.
Et les gars, je vous inclus dedans, hein, 99%. Mais tu as 1% des gens les plus exceptionnels que j'ai rencontrés de ma vie qui sont des Français, des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, les gens qui ont le plus de valeur que je connais. Et j'ai voyagé, hein, j'ai passé 15 ans à voyager à travers le monde et je parle bien anglais. Eh ben, putain, les meilleurs gars que je connais, c'est des Français. Donc, il y a une particularité dans le gène français, dans la race française, et un truc exceptionnel qui fait que on a une grosse proportion statistique de génie. Je ne m'inclus pas dedans. Moi, je suis juste un mec qui veut survivre et qui s'est cassé du shithole qui est devenu la France. Bon, c'est pas que la France, mais la France, particulièrement en Europe, terrible. C'est ça, souvent dans l'histoire de France, c'est souvent une petite minorité qui arrive à prendre le dessus sur la médiocrité ambiante, la médiocratie aussi, telle qu'on la vit aujourd'hui. Alors, quelle est la démarche de dire je pars vivre à l'étranger? Est-ce que c'est renouveler, prendre un petit morceau de ce que devrait être la France à l'étranger et le faire vivre à l'étranger? Ou c'est vraiment un renoncement et être dans une communauté de personnes qui sont plus forcément identifié comme étant des Français, parce que je vois que tu as fait le choix de, sur tous tes supports, de parler en anglais. Est-ce que c'est vraiment un individu qui ne s'estime plus être français et qui va vivre ailleurs pour vivre mieux, ou est-ce que c'est vraiment une volonté de dire bah, c'est pas encore complètement foutu, peut-être encore une chance, moi je me mets en retrait et je fais le job de. Parce que tu as quand même pas mal de vidéos où on sent que tu as encore une petite lueur d'espoir, malgré tout. C'est pas une lueur d'espoir. Je communique avec ma communauté qui est française. Tu sais, ce 1%, bah, ils m'ont rejoint. On a fait une communauté. En fait, ça va paraître Il arrogant doit et ça encore en l'est. rester quelques-uns en France quand même. Je pense qu'on est ce qui se fait de mieux en matière de français. Ils m'ont rejoint, les gars. Et c'est tout, tu vois. On est 2000. Ça se trouve, il n'y a pas plus que ça. Tu vois, il n'y a pas plus que ça de français correct. Il y a peut-être encore 2-3 mecs qui vont nous rejoindre. Mais ça y est, quoi. J'ai récolté les mecs que je voulais récolter en France. Et ça nous suffit. On est bien tranquille. C'est pour ça que je leur parle en français parce que c'est notre langue maternelle. On est très à l'aise dans ce langage. Je les pousse à parler en anglais. Tous nos espaces sont en anglais parce que nous sommes un network professionnel. Et pour bosser, il faut forcément attaquer le marché international. Tu peux pas être sérieux, tu peux pas être professionnel si tu parles que français. Ou même si tu parles français tout court. On est dans le domaine du marketing online, dans les technologies, dans les cryptos. Il faut parler anglais, quoi. Faut arrêter de délirer. Et c'est la raison Donc pour toi, laquelle je parle français. C'est pour la matière humaine. C'est pas pour le territoire. Ou c'est pas pour le mainstream, je m'en fous. Je vise pas des Français, je parle juste à mes gars, et il se trouve qu'ils sont français, c'est tout. ce que tu présentes en fait, c'est un modèle économique qui est basé donc sur le fonctionnement des crypto-monnaies. On en parlera tout à l'heure, mais pas que, pas forcément que ça. Pourquoi avoir choisi l'Europe centrale, les pays de l'Est en général, plutôt que, je sais pas, l'Amérique du Sud ou ailleurs, encore plus loin de l'Europe? Ah, Est-ce que c'est un parce que choix ça ou se fait c'est parce naturellement. il y a des occasions qui se sont présentées? Une sensibilité. Moi, je suis blanc, je suis caucasoïde, j'aime être auprès des miens. Tu vois, très naturellement, quand je suis arrivé ici en Europe de l'Est, je me suis senti avec mes frères, vraiment mes frères de sang. Et j'ai été accueilli comme ça. Ça a été très, très simple pour moi de m'assimiler, de comprendre leur code, leur façon de fonctionner. Ils ont un rapport aussi émotionnel à l'autre qui me plaît. C'est des gens qui font la gueule et j'aime ça. C'est-à-dire que quand tu connais pas, que tu es face à l'étranger, tu commences par faire la gueule. Regard tendu, genre t'es pas mon pote. Je vais pas m'ouvrir, je vais pas avoir une intimité émotionnelle avec toi si je te connais pas. Contrairement aux Américains qui sont fake à C'est mort tout et qui l'inverse, te quand même. font un câlin, qui te font le hug et tout, tu vois, en Californie. Alors que, en fait, ils s'en battent les couilles de toi. Mais ils font des sourires à tout le monde. C'est des sourires de pute. Bon, en Europe de l'Est, non, les mecs sourient pas. Ils font la gueule, ils sont en mode business, ils font même pas de blagues. Ou alors, ils ont des blagues tellement cheloues qu'honnêtement, il n'y a qu'eux qui le comprennent, donc c'est inaccessible. Par contre, quand tu fais le taf, okay, quand la relation se développe et que tu deviens ami avec eux, le jour où ils finissent par te sourire, putain, c'est un vrai sourire. Il vaut 1000 fois des sourires de ricain ou des sourires d'hypocrite. Et en intimité, ils s'ouvrent. Mais ils s'ouvrent en intimité, c'est tout. L'intimité, c'est quoi? Ça va être dans la neige, faire un feu de bois et faire griller 3 bouts de viande sur un bout de bois. Ou aller pêcher un poisson, ou des trucs comme ça. C'est ça, quoi. Mais sinon, non. C'est des gens honnêtes. Moi, j'aime. C'est vrai que les gens de l'Est, pour avoir visité pas mal de pays de l'Est, c'est assez surprenant au départ. On a l'impression qu'ils ne sont pas polis, parce que nous, on a une culture un peu enfin, très différente même. Ils sont très ressemblants à l'extérieur à ce que nous sommes,
mais intérieurement, les Slaves, c'est quand même très, très différent. Et je comprends bien qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même rapport humain que dans les pays de l'Est. Alors du coup, qu'est-ce que toi, tu y fais, enfin, comment tu as construit ce que tu proposes aujourd'hui? Et ce que tu proposes aujourd'hui, c'est aussi une espèce de système d'entraide, de cooptation aussi, si j'ai bien compris. Tout le monde ne peut pas rentrer, il faut avoir la volonté, mais tout le monde, si tu considères que les gens ne sont pas armés ou soient équipés intellectuellement ou avoir la motivation ou que sais-je, c'est plutôt compliqué. Il y a un esprit d'élitiste un peu, ce qui est fait pour justement que ça fonctionne, ton système. Et qu'est-ce qui est proposé? En quoi consiste cette entraide? Est-ce que c'est juste une entraide comme peut le faire Daniel Conversano avec des coups de main, un peu de cooptation, un peu d'aide, un peu de voyage, ou c'est vraiment basé sur un modèle économique particulier? Alors, tout le monde peut rentrer. Hein. Moi, si j'ai... Ouais. C'est juste... tout le monde peut rentrer, mais ce n'est pas tout le monde qui restera. Disons que si les types ne sont pas au niveau, ça peut arriver que je vire des gens, ou que de même, les gens ne se sentent pas à l'aise parce que ça ne marche pas, ils sont soumis à pression. La pression, c'est quoi? C'est juste l'excellence. On a un certain goût pour le travail bien fait. Donc, il y a un niveau d'excellence qui est demandé. Et si les mecs ne bossent pas correctement, bah, ils ne vont pas goûter aux fruits du communautarisme. Et le fruit du communautarisme, c'est quoi? C'est interagir et être respecté par les autres membres. C'est collaborer, faire du travail avec les autres membres. C'est vivre avec les autres membres, donc s'expatrier et être reçu dans les sections locales, en Estonie, en Bulgarie, en Géorgie. On a du monde au Monténégro. On a du monde en Russie maintenant que les frontières sont ouvertes. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait un mois et demi là, qu'elles ont réouvert. Donc non, c'est facile de rentrer dans des BL sur la partie virtuelle, mais pour aller dans le dur, dans le concret et commencer à bosser avec nous et vivre avec nous, bah, il faut agir en fait. Et au fur et à mesure des actions, on voit si les deadlines sont respectées, si la qualité du travail est correcte. Ça se fait naturellement. Et honnêtement, la plupart des gens ne savent pas bosser. Donc quand ils viennent chez nous, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est des opportunités de réseau et du contenu pédagogique pour apprendre à bosser. C'est tout ce que vous avez appris à l'éducation nationale et de la merde, on le sait. Vous avez été formé par des pauvres, c'est pas comme ça que vous avez gagné de l'argent, ou par des communistes, c'est pas comme ça que vous allez penser librement. Il y a 2-3 mecs qui ont des bases, notamment les types qui arrivent avec des connaissances techniques, parce que bon, le dur, ça reste le dur, mais tous les types qui croient savoir quelque chose en marketing et qui sont encore jeunes, non, on est obligé de les former. Les types qui croient savoir communiquer professionnellement, ben non, vous ne savez pas, donc on vous forme. Et puis la discipline, en fait. Vu qu'il n'y a pas de hiérarchie en France, il n'y a plus de verticalité dans le rapport humain. C'est une horizontalité totale, tout le monde égal. Non, c'est une connerie. Dans des belles, on remet la verticalité. Le boss, c'est moi. En dessous, j'ai des référents, il y a des chefs de section, il y a des chefs de groupe, et il y a plein de groupes avec des spécialités. Il y a des groupes de travaux sur des projets précis ou il y a des groupes sur un sujet. Genre, il va y avoir différents groupes sur la crypto, différents groupes sur le dropshipping, différents groupes sur le copywriting. Et dans ces groupes, les mecs se développent, ils apprennent, ils bossent. Et il y a des grosses évolutions. Hein. J'en sais rien. Je voulais inviter 3 mecs aujourd'hui qui sont des bons exemples. Ces types qu'on a vus en live il n'y a pas très longtemps sur la chaîne d'Alex, un gars de la communauté. Il s'appelle Alex Massiva Lorenzo. Je leur fais un big up. Mmh. C'est des types qui, chacun, gagnaient entre 500 et 1000 euros il y a 6 mois à peu près. Lorenzo est devenu trader pour la communauté. Il fait plus de 10 000 par mois. Massiva, il fait du closing et il forme des gars au closing. Il fait 20 000 euros par mois maintenant. Et Alex, lui, il faisait 500 balles par mois, celui qui gagnait le moins. Le mois dernier, il a fait 30 000 euros sur de la crypto notamment, ou en vendant des produits de formation en crypto. Bon, eux, c'est des beaux exemples de réussite. Je ne dis pas que chaque membre des BL a ce niveau de réussite, mais en fait, un mec qui a un cerveau, une paire de couilles, qui suit et qui suit la dynamique, tu vois, qui voit où ça va et qui bosse, qui avance avec ses frérots, ben, il arrive là. Il arrive dans des pays, et les mecs dont je te parle sont expatriés. Hein. Ils ont bougé. Y en a un qui était en Russie, maintenant il est en Bulgarie. Alex, lui, il est en Bulgarie, il part au Monténégro. Lorenzo, il était en Bulgarie, il est déjà au Monténégro, donc on bouge pas mal, on reste pas en France, on reste pas dans des endroits qui sont pas sécurisés du tout, où on paye des taxes, genre 70%, c'est ridicule, puis où il y a cette mentalité de merde, quoi. Et donc ceux qui sont intéressés là par ce que tu proposes, par le modèle que tu proposes, est-ce qu'ils ont aussi fait ce deuil de la France? Ils partent de la France en disant c'est terminé, j'en fais le deuil et je veux me construire autrement, ou ils ont toujours cet espoir de revenir, peut-être mieux plus construit, enfin construit différemment, avec des compétences qu'ils n'auraient pas acquises autrement?
Non, non, il y a toujours 6 mois. Il y a 6 mois de flottement où les mecs font un peu le deuil et tout, ils savent pas trop par rapport à la famille. Puis, une fois qu'ils sont à l'étranger et qu'ils voient à quel point la vie est meilleure dans un pays civilisé, c'est genre, ça sent bon. Il n'y a pas de bruit dans le métro, dans le bus. Les gens se comportent décemment, des familles qui ont des relations respectueuses et bienveillantes les uns avec les autres. Aussi du monoethnisme. Tu vois, c'est pas multiculturel. Quand t'es pas dans un pays multiculturel, surprise, t'as pas des communautés qui se battent entre elles. Donc t'as pas de tension communautaire. Non, parce qu'il n'y a pas de communauté. Il y a juste la communauté nationale, quoi. C'est-à-dire les mecs du coin qui sont là, ça se passe, quoi. Ça se passe très calmement. Puisque C'est c'est des vraiment ce qu'on mecs ressent là. européens, ouais, puisque c'est des mecs européens, ça se passe bien. T'as aussi des endroits monoethniques où ça se passe mal. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de testostérone et un niveau, un quotient intellectuel assez faible. Généralement, ça ne se passe pas très bien, même quand tu les laisses entre eux. Du coup, au bout de 6 mois, les mecs, ils réalisent que non, ils ne veulent pas revenir, ils commencent à gagner un peu d'argent, ils font comme moi, ils invitent leur famille en Europe de l'Est, et puis voilà. Ça se Ah passe comme non. ça. Donc c'est en fait. C'est vraiment en fait, c'est ça. Vraiment un deuil de faire vraiment le deuil de. J'allais dire sa francité, c'est peut-être un peu un gros mot, mais le fait de dire je ne Le pars territoire est pas. perdu. Le Voilà, c'est territoire est ça. perdu. Et Il faut être tu penses complètement sincèrement con. que c'est vraiment foutu, qu'on pourra jamais le récupérer, Oh, même. c'est foutu. Non, pas jamais, mais 2, 3 générations. Et les mecs qui parlent de le récupérer sont tous des faibles, hein, des gens qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas l'idée des hommes, qui ne savent pas se battre. Vous êtes des merdes. Tous là. Vous croyez quoi? Vous allez récupérer quoi? Les mecs, oh, réveillez-vous. Moi, en bossant bien dans 3, 4 générations, peut-être je pourrais récupérer un truc. Peut-être dans ma génération, je pourrais tokeniser un territoire et avoir un petit bout de terre, je sais pas où, que je vais convertir en crypto et que je vais posséder comme ça. Mais ça ne sera pas la France, hein. La France, tu vois où c'est situé? C'est au plein milieu de l'Europe. C'est un point stratégique géographique. Et il y a des puissances, genre la Russie, genre les États-Unis, genre la Chine, je vais me battre contre eux. Pas dans cette existence, non. Il faudrait que même Elon Musk, si demain il veut racheter la France, c'est compliqué. Donc vous qui êtes dans votre chambre à dire ah, révolution, résistance, vous résistez de quoi? Vous avez posé des affiches, jeté des lardons sur une mosquée? Vous me faites rigoler, les mecs. Non, non. La vérité, c'est que pour l'instant, on n'a rien, ok? On s'est fait dépouiller de notre terre et on a été con, hein, on a laissé faire, c'est notre faute. Il se trouve qu'il reste des terres où on est accueilli par des gens très corrects, qui nous considèrent comme des frères pour peu qu'on se comporte bien. On peut aller humblement s'assimiler là-bas et vivre une belle vie. C'est déjà le plus important, en fait, vivre, procréer, faire des enfants. Là-bas, on peut. Et ensuite, si vous n'êtes pas trop con et que vous développez votre niveau de puissance, notamment grâce à un travail acharné et du communautarisme, peut-être qu'à un moment, vous pourrez commencer à ouvrir votre gueule en mode j'aimerais un territoire. N'importe quel homme a envie d'être souverain, donc d'avoir son territoire, évidemment. Et oui, commencez par bosser, les mecs. Vous n'avez même pas de quoi vous payer une baraque, vous parlez de quoi? De vous payer un pays? Ridicule. Tu penses que c'est un combat perdu, enfin qu'il faut leur jeter la pierre aux gens qui pensent encore qu'il y a une chance, notamment on voit la candidature de Zemmour qui est en train d'émerger, Ouais, peut-être la dernière chance, mais la dernière ouais. chance, c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que c'est vraiment pas la peine? Sélection naturelle qui s'occupera de tout ça. Il n'y a même pas à jeter la pierre, il se la jette tout seul à la gueule. Mais c'est 99% de l'audience, hein. Là, j'ouvre pas le chat, ils doivent être en train de m'insulter. Écoutez, insultez-moi, les mecs. Mais vous allez mourir. C'est aussi simple que ça. Vous êtes déjà mort. Si vous êtes dans l'illusion à ce point, le truc, c'est que l'illusion mène toujours à la déception. Tu peux croire que ça va bien le faire dans une bagnole où il n'y a pas les freins, ouais, mais aussi optimiste que tu crois, au premier virage, tu finis dans un mur. Le mec qui reste en France et qui se dit, ouais, je vais résister, ouais, tu vas résister autant que Papacito. Il est déjà parti, je crois. Il a eu un instant de lucidité, le mec, il s'est cassé. Il a annoncé Il a qu'il bien était, je sais pas où il est, effectivement, on a entendu parler de lui, il a dit qu'il partait en Espagne avec fait. l'espèce de système là, anti. Je sais pas où il est Non, parti. mais Ok. c'est la seule chose intelligente qu'il ait faite ces dernières années. Hein. Après lui, dans le spectacle, dans la dénonciation spectacle. Et donc, alors toi, ce que tu proposes là, c'est un système qui est basé sur le trading de crypto-monnaies, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Ah, En c'est mon délire. essayant d'aller dénicher les nouvelles crypto-monnaies qui ont peut-être un petit peu de potentiel, de bien comprendre comment ça fonctionne. Moi, je suis une buse totale, je ne comprends rien. Donc, est-ce que tu peux nous Écoute, expliquer ça comment va? ça fonctionne? Non, 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 parce que les gens sont pas prêts. Je vais plutôt expliquer quelque chose qui permettra aux gens de raccrocher et de se dire qui est ce taré, ceux qui ne me connaissent pas encore.
Ce que je suis, moi, c'est un type qui suit des flux d'énergie et qui embarque mes frérots avec moi. Alors là, tu as Grégory qui te parle des cryptos. Effectivement, ma dernière lubie, c'est les cryptos. Je pense que c'est un secteur, une industrie qui a un potentiel de croissance exponentielle, qui peut très facilement rendre les mecs un peu malins très très riches. J'ai fait beaucoup de Pas pognon très récemment volatile quand avec même, les non? cryptos. C'est très risqué, mais tout ce qui rapporte du fric est risqué, évidemment. Mais pour revenir sur ce que je suis, pour que les gens qui ne me connaissent pas puissent me comprendre, je suis un mec qui arrive à sentir comme ça les flux d'énergie. Peut-être que c'est parce que j'étais artiste de rue pendant 15 ans et tu dois beaucoup utiliser ton instinct et sentir l'énergie dans la rue. L'énergie, c'est quoi? C'est la sensation des gens. Comment se sentent les gens, les humains, qu'est-ce qui se passe? Et les flux d'argent aussi se re ressemblent à des flux d'énergie. Et bref, pour retracer l'historique et que les gens puissent un peu capter, je faisais du porno, par exemple. J'ai fait 15 ans de porno. Je suis encore classé numéro 1 sur Xvideo, plus gros site de cul du monde, enfin numéro 1 dans les acteurs français. Et j'aurais pu me contenter de faire des films. Mais j'ai embarqué mes gars, c'est-à-dire que j'ai fait de la pédagogie sexuelle, j'ai fait des cours d'entraînement, comment bien bander, contrôler son éjac, des trucs de base, tu vois, que tous les mecs devraient gérer. Et en bossant correctement, je suis devenu le plus gros distributeur d'Europe de l'Ouest en contenu pédagogique sexuel. Ça, c'est l'exemple avec le porno. Ensuite, le communautarisme. Je vous disais tout à l'heure, les Français, ils vivent isolés, ils se font baiser la gueule par toutes les communautés qui sont venues les envahir sur leur propre territoire. Bon, ben, moi, j'ai monté une équipe pour de vrai, je n'ai pas fait comme les autres. Les autres, il y avait plein de mecs qui parlaient de monter une équipe, personne ne l'a fait. Mais ce qui n'était pas possible sur le territoire national. Si tu montes une équipe en France, tu te fais enfermer. Bon, moi, je me suis cassé à l'étranger pour le faire, là, ça marchait. Aujourd'hui, j'ai une commu de plus de 2000 hommes. Bon, j'ai fait le truc. Et le bénéfice, c'est de vivre en communauté. Marketing, c'est pareil. J'ai senti les flux, j'ai senti les gens. Je suis devenu, j'ai eu la chance de rencontrer en fait le mec qui est numéro 1 en marketing en France. L'expert le plus doué. Il s'appelle Tougan. Et je me suis démerdé de devenir son pote. Je suis devenu son élève. Et j'ai énormément augmenté mes revenus en étant à ses côtés, en l'écoutant, en appliquant ses conseils. Et j'ai amené toute ma communauté à s'inscrire à ses cours. Il y a plein de mecs de chez moi, mais genre, il y a plusieurs milliers de gens qui, suivant mon influence, sont allés prendre les cours de Tougan et ont gagné beaucoup de fric. Et aujourd'hui, ont une vie, ils peuvent vivre où ils veulent parce qu'ils font du business online. Pour l'anglais, j'ai forcé toute ma communauté à parler anglais. Quel influenceur fait ça? J'aurais tous forcé à parler anglais. J'aurais sorti des cours d'anglais. J'ai fait tout mon contenu, tous mes espaces membres en anglais. Mon Telegram, il est en anglais, nécessaire. Et la crypto, c'est vrai que depuis 6 mois, je suis impliqué dans la crypto. Au début, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai perdu du fric. Puis j'ai compris comment en gagner. J'ai créé Canal Satoshi. J'ai embarqué toute ma communauté là-dessus. Canal Satoshi, c'est un produit pour débutants, pour investir de manière assez safe son argent en crypto. On a fait plus 105% ces 8 derniers mois. Donc ça a très bien marché, vu les tout petits risques qu'on a pris. Récemment, là, il y a un mois, je me suis intéressé à la DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée. Pareil, j'ai commencé en faisant n'importe quoi, parce que je commence toujours en foutant les pieds dans le plat avec de l'expérience. J'ai perdu de l'argent, ma communauté aussi d'ailleurs, ah, désolé les mecs. Mais je suis persuadé qu'on a appris énormément pendant un mois et qu'on va gagner énormément pendant les 6, 12, 24 mois qui arrivent sur la DeFi, sur les NFT, sur le NFT gaming, enfin le métaverse, tous les sujets qui sont l'industrie du futur. Et c'est ça, quoi. À chaque nouveau flux d'énergie que je sens, j'essaye d'embarquer mes frérots. Les plus forts, les plus flexibles arrivent à me suivre et les autres crèvent. Les autres, en fait, souffrent, agonisent, attendent que je les sauve, je leur ris au nez parce que sélection naturelle. Moi, je suis un eugéniste. Mon but, c'est d'avoir les meilleurs gars à mes côtés. Et ceux qui ne tiennent pas, ben, ils ne tiennent pas. Je leur promets l'injustice. On met tous nos efforts au service de nos meilleurs membres, ceux qui ont le meilleur potentiel. Et les plus faibles, c'est un peu comme, c'est quoi dans le film 300, là? Quand il y a un bébé un peu avorton, il se fait jeter de la falaise. Bon, ben, on fait pareil. C'est comme ça qu'il faut faire. À C'est l'ancienne. l'inverse de la société progressiste qui dit, Alors, allez, on va mettre tout le monde à égalité avec les débiles, les je me permets de invertis. t'interrompre une seconde par rapport à tout ce que tu viens de dire. Ça peut paraître, alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement, ça peut paraître dur, mais il faut quand même qu'on se rende compte que notre propre pays, le discours que tu tiens là, si on remet un petit peu dans les choses dans leur contexte, il y a 50 ans, ça n'aurait choqué personne en fait. On s'est vraiment tous plus ou moins. Un peu laisser aller dans la douceur, se laisser bercer. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça peut entendre. Bon, je sais aussi qu'un petit peu tu surjoues, c'est ton style. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné,
Il faut faire des choix dans la vie. Alors que tu parles de cet exemple-là, mais comme dans un tas d'autres exemples, il faut faire des choix. Il faut aussi avoir cette dureté et de dire, ben, à un moment donné, il faut avancer. On ne peut pas être gentil avec tout le monde. Et donc, l'autre question que je me posais, c'est quelles sont les limites de cette expatriation ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... ceux qui ne réussissent pas, bon, ben, tant pis, ils font leur vie autrement et ailleurs. Mais... si on voit dans 20, 30, 40, 50 ans, moi, ce que je vois, c'est que comparativement à la démarche de Daniel Conversano, que j'ai reçue dans cette émission également, lui, il est plutôt dans une démarche de continuer à faire vivre la France à l'étranger par une espèce de diaspora, finalement. Et ce que je comprends de ta démarche, c'est plutôt très différent, d'ailleurs. C'est vraiment une démarche de renoncement et de vivre autrement ailleurs en oubliant cet attachement, ces racines-là, et en disant, les gars, oubliez, c'est fini, c'est foutu pour vous, la France est terminée. Donc, construisez votre individu, votre individualité, vos familles ailleurs et autrement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est intéressant ton analyse. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, il y a chez moi un détachement émotionnel qu'il n'y a pas chez Daniel. Je pense que dans ma quête de pouvoir, je suis obligé d'avoir un gros contrôle émotionnel et que j'impose à mes troupes. Et le détachement émotionnel, ça veut dire faire le deuil, le faire rapidement. Il faut avancer. Hein. Dany, il a le cul entre deux chaises. Il a plein de gens qui sont encore en France, à qui il tient. Pour moi, c'est des spectateurs. Hein. Les mecs qui sont sur des BL et qui sont toujours en France, ils sont comme des abonnés sur Netflix. Ils n'ont rien capté. Ou alors, ils sont en train de faire leur mieux pour accumuler du fric et vite se casser et aller vivre dans un endroit décent. Dany aussi, c'est quelqu'un qui est très orienté famille. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. D'ailleurs, je me sens en retard par rapport à lui. Il a deux beaux enfants et moi, je n'en ai pas encore. J'en souffre. J'espère vite avoir des enfants. Beaucoup d'amour à leur donner. Ouais, j'ai du mal à trouver une épouse, en fait. Je suis devenu très difficile. J'ai trop fréquenté de femmes et je sais pas. Enfin, je ne veux pas développer là-dessus, mais ouais, difficile. Tu as trop marchandisé la relation, c'est ça ? Elle est toujours marchande. C'est de la naïveté de croire qu'une femme ne marchande pas sa féminité. Mais et l'épouse étant la femme la plus chère qui soit. Et bref, Dany, il a capitalisé la sur la plus chère à ton cœur, tu veux dire. Mais financièrement. Ouais, t'as encore un côté French lover quand même, non ? T'as pas oublié ce côté. Je vais passer. Mais en gros, Dany, il a capitalisé sur le côté famille qui est très bien. Moi, n'en ayant pas encore, bon, j'en parle pas beaucoup. J'ai plutôt le côté business. Mais bon, au final, en étant sur le business, on a de l'argent, donc on a des moyens et on a une communauté qui offre, je pense, beaucoup plus d'opportunités d'avenir. En fait, je ne vois pas trop d'autres communautés françaises qui offrent des opportunités à part la nôtre. Mais le problème, c'est qu'on est difficile. Humainement, on est difficile, quoi. On est très exigeant, on n'est pas du tout tolérant. Et si mon discours tout à l'heure a choqué en mode « Oh putain, quel connard ce mec avec son discours suprémaciste et intolérant », non mais bon, déjà sur ta chaîne, je pense que ça choquera pas grand monde, mais en mode réaliste, l'inverse, on a essayé, c'est-à-dire essayer de mettre en avant tout ce qu'il y a de plus misérable, tout ce qu'il y a de plus déglingué, tout ce qu'il y a de plus faible, l'assistance sociale généralisée, la France, est-ce que ça marche ? Non mais c'était un échec, c'est une civilisation qui a échoué, vraiment. It's a failed civilization, comme dirait Tate. Est-ce que justement tu es dans une démarche ? Hein, tu étais dans une démarche sûrement et plutôt élitiste dans le sens, comme tu viens de le dire, par opposition un peu au misérabilisme ambiant où il faut accueillir toute la misère du monde, nivellement vers le bas, où on avait avant 1% d'une cohorte qui avait le baccalauréat, aujourd'hui on est à 99%. Tu es plutôt dans une démarche différente, enfin complètement opposée, pour dire maintenant, si on veut construire quelque chose, il faut le faire de manière assez élitiste et par conséquent, il faut sélectionner. Ouais, la vérité, c'est que je suis en réaction. C'est parce que je parle français. If I would speak English, I would be wise after because I would speak to international audience. Alors, on a perdu 95% des auditeurs, là. C'est con, là. Yeah, fucking French guys, you don't even speak English, so you're gonna die just for this simple reason. And you're the responsible of this shit that you're living in. So yeah, when I talk to you, French people, you fucking suck. And that's why I'm upset. But in English, no, I'm quiet, I'm kind. I can talk about business, about technologies. Donc, comme je disais, c'est que avec les Français, je suis en réaction.
Et je m'énerve parce que je leur en veux, en fait. Vous êtes coupables, les mecs. Vous êtes coupables à titre collectif de la merde qui est devenue notre pays. Ça me fait pas marrer d'avoir perdu le territoire, ok ? Ça reste une souffrance. Donc, je suis toujours en réaction quand je parle en français ou quand je parle à des Français. Mais est-ce que tu te sens, toi aussi, coupable, en quelque sorte ? Tu dis, les Français, vous êtes coupables. Est-ce que toi, tu te sens un peu coupable ou pas ? Ou est-ce que tu sens, pour reprendre tes propos, hein, est-ce que toi aussi, ouais, tu penses qu'il y a un moment donné, il y aurait pu faire... Oui ou non ? Enfin, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Bien sûr, je porte une part de la responsabilité collective, mais au moins, je me suis extrait de cette merde, je me suis cassé et j'agis. Et honnêtement, j'agis de manière très bienveillante. J'ai embarqué avec moi beaucoup de monde. Je ne suis pas juste un influenceur qui fait des Instagram lifestyle pour dire hey, « Eh, bande de cons, moi, je suis sur mon yacht avec mes putes pendant que vous, vous galérez au SMIC et que vous croyez que c'est ça la vie. » Non, je ne fais pas ça. Je pourrais, mais ça ne m'amuserait pas. La vérité, c'est que ça ne m'amuserait pas du tout. Je suis un entrepreneur, je suis un créateur, je suis un guerrier. J'aime être dans l'action, faire des rendez-vous avec mes équipes, bosser, lancer des projets. Là, on lance FrogTech. On va rentrer en concurrence avec une compagnie qui pèse 100 millions là dans 4 jours, je crois. Vous verrez, on fera la sortie publique de FrogTech. C'est un outil de marketing technologique. Vous verrez. Bon, ça m'amuse, ça me passionne. Et c'est ma façon aussi de me soulager de la responsabilité collective, partielle que j'ai d'avoir foiré, quoi, de faire partie d'une failed civilization, d'une civilisation qui a échoué, c'est-à-dire les Français. Il y a dans les commentaires pas mal de gens qui indiquent avoir tenté l'expérience de l'expatriation et beaucoup en sont ravis. Enfin, si tu as un conseil à donner, même pour les gens qui ne veulent pas forcément partir, je pense que le conseil qui peut être donné, c'est au moins d'aller goûter ce qui existe ailleurs. Et ceux qui en ont la possibilité, tenter l'expérience à l'étranger, ça peut aussi former. Et pour mon expérience personnelle, il n'y a qu'en allant et en revenant de l'étranger que j'ai ouvert les yeux sur ce qui se passait dans notre pays, en fait. Tant qu'on reste chez soi, voilà, on est dans un conditionnement géographique, social, culturel. Et c'est en revenant de l'étranger que je me suis rendu compte à quel point le pays évoluait en mal et à quel point il est bon de réfléchir à d'autres options. Hein. Est-ce que tu conseilles ça aux gens, au moins d'essayer de partir un mois, deux mois, trois mois, lorsqu'ils le peuvent, faire une césure? Faites ce que vous voulez, je m'en fous, honnêtement. Je m'intéresse qu'aux gars de ma communauté, les autres peuvent mourir. Aucune empathie pour eux, rien du tout. Et je pense que la plupart des mecs qui essayent de s'expatrier tout seuls... Ah ouais, non, mais j'en ai rien à foutre. Mais les mecs qui essayent de s'expatrier tout seuls, bonne chance, vous allez peut-être vous demander quoi foutre, parce qu'il faut des compétences. Quand tu arrives dans un pays, que tu ne parles pas la langue, et si tu veux te confronter au marché local, c'est-à-dire tu te mets en compétition, en concurrence avec les mecs qui bossent, genre avec les boulangers locaux, avec le mec qui est mécanicien local et tout, tu n'y arriveras jamais. Okay, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas la langue, tu n'y arriveras pas. Donc si tu arrives à l'étranger, tu t'expatries, que tu vives dans un autre pays, tu es obligé de faire du business online. Est-ce que tu as les compétences ou pas ? C'est pas si facile de faire du business online. Tu as 95% des gens, voire plus, qui échouent. C'est compliqué. C'est à ça que je faisais référence. Coup, voilà, c'est ne... Pardon, mais ne, voilà, ne pas partir, tête baissée. Il n'y a pas que ça. Déjà, il faut réussir à faire du business online parce que sur place, tu ne vas pas faire un travail normal, tu ne vas pas aller faire carreleur ou je ne sais quoi, tu n'y arriveras pas. Et puis, même si tu y arrivais, tu fais quoi ? En Pologne, carreleur, tu as touché tes 400 euros par mois, compliqué. Donc, imaginons, tu arrives, tu as déjà ton business online. Nous, normalement, on t'aide pour ça. Dans la communauté, c'est notre spécialité. Bon, tu arrives, tu fais déjà du business online, mais tu n'es pas dans la communauté. Bah, t'es tout seul, t'es isolé. Au début, c'est un peu compliqué. Alors, si t'es très introverti et que t'arrives à vivre seul, tu te sens bien, que t'es émotionnellement très indépendant ou que t'es concurrent, que t'arrives à aller vers l'autre et que tu t'assimiles naturellement, mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de gens comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en Europe de l'Est et j'ai conquis le territoire à ma façon, en me faisant des amis, des frérots dans les clubs de boxe, en me faisant des copines, en travaillant avec elles, en faisant des films. Bon, voilà, je me suis assimilé. Et aujourd'hui, je suis très, très assimilé. Mais même mes gars que j'ai expatriés, les mecs de DBL, eh ben, honnêtement, les gars, bougez-vous le cul. Là, je vous parle à vous, mes gars. Vous êtes trop ensemble. Vous passez trop de temps entre Français. Je sais que c'est un confort quand vous débarquez. Quand vous arrivez de France, et français, vous rejoignez ça. Votre section. Ouais. Non, mais c'est pas que les Français, hein, c'est toutes les communautés. Vous débarquez de votre pays et vous rejoignez une section locale dans un autre pays qui parle une autre langue et vous restez avec les vôtres parce que c'est la même langue, c'est plus facile. Ouais, ben, bougez-vous le cul, assimilez-vous. Hein. Parce que si vous restez qu'avec les autres, vous allez finir comme des putains de mormons, vous touchez la nouille entre vous. Bon, heureusement, vous n'êtes que des mecs, donc ça vous force quand même à aller trouver des nanas à l'extérieur. Mais pareil, je vois, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, dans des BL, et ils ont encore des comportements de puceaux. Les mecs, il faut vous bouger le cul de fou, mais bon, je vous en parlerai plus en privé. Bah, c'est comme ça, quoi. Si vous vous expatriez sans communauté,
c'est encore plus dur. Même avec communauté, honnêtement, c'est pas glorieux. Il faut être très guerrier hein, pour s'expatrier. Ça veut dire aller conquérir du territoire, plus ou moins. Mais Et sans ton discours là, communauté, il c'est est. 10 fois plus dur. Ton discours est intéressant dans le sens où il change de ce qu'on entend d'habitude, c'est-à-dire que toi, tu invites les gens à se regrouper entre Français pour pouvoir s'entraider, mais pour autant à s'assimiler, c'est-à-dire à ne pas Ah ouais. rester pour former une espèce de diaspora. C'est vraiment s'assimiler, mais avec l'entraide Complètement. de ton groupe. C'est ça? Et quand tu t'assimiles, ça ne veut pas dire renoncer au français. Moi, j'ai toute l'aide que je veux de ma communauté. Je suis là pour ma commune, mais je suis quand même assimilé à fond. En fait, les gens que je fréquente au quotidien, c'est des gens locaux. Comme ça me fait travailler la langue. Et puis, si je suis là, ce n'est pas pour rien, c'est que je les aime. Je suis très à l'aise avec eux. Ouais, y a de l'amour, en fait, de la tendresse naturelle. Mais quand je bosse avec mes gars. Donc j'ai les deux, tu vois. Et j'invite mes mecs à trouver cet équilibre. Dans le chat, il y a des commentaires. Il y en a un qui me fait réagir. J'ai quand même envie de réagir à ça. Julien M qui dit, ce mec n'a aucun idéal. J'ai presque de l'empathie pour lui. Je pense qu'il parle de Oui. moi, qui pense que j'ai aucun idéal. Il est à 5h36 p.m. Donc il dit que j'ai aucun idéal. Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on a évoqué la question de mon idéal? Je peux te dire, moi, ce que c'est mon idéal. Mon idéal, c'est la civilisation européenne. C'est des belles architectures, des rues avec des gens qui ont un comportement civilisé, des familles aimantes, qui se comportent bien, avec des parents qui éduquent leurs enfants, des enfants qui respectent leurs parents, des opportunités d'avenir pour les gosses, de la sécurité. C'est ça, mon idéal. Et c'est ce que je bâtis. Je suis un bâtisseur de civilisation. Je vis dans ce qui est en ce moment le top de la civilisation européenne et je contribue par mon pouvoir financier, par les opportunités que j'apporte Ouais. à développer et à protéger cette civilisation. J'amène les mecs que j'estime de valeur à vivre dans cette civilisation. C'est ça mon idéal. Et C'est je un vois encore idéal que, grandiose. par rapport à ça, je vois quand même, hein, je veux pas faire le psychologue de comptoir, mais je vois quand même que tu as encore un attachement à la France, pas que la France, mais à notre identité, à l'esprit occidental européen. Et je vois quand même qu'il y a quand même de moins en moins de vidéos en réaction, c'est peut-être parce que c'est l'été. Sur les contenus que tu produis, que ce soit sur YouTube ou Telegram, souvent tu réagis à ce qui se passe en France de manière un peu sarcastique par rapport à tout ce que tu viens de dire aujourd'hui. Est-ce que tu penses malgré tout qu'il existe des solutions? Je parlais de la remigration par exemple. Est-ce que tu penses que c'est une idée complètement folle et qui n'arrivera jamais? Mais je ne parle pas de la remigration par la force, hein, mais par un homme politique ou une femme politique forte, forte, qui par la ruse. Arriver à ces fins-là, c'est-à-dire à ne plus faire de la France ou de l'Occident, mais en général un territoire où on aime venir pour l'argent, pour tout un tas d'aides sociales, etc. Et où ceux qui n'ont rien à faire chez nous partiraient presque naturellement, de manière un peu aidée aussi, hein, pour retrouver une espèce d'unité ethnique. Est-ce que c'est un doux rêve ou est-ce que ça reste du domaine du... Peut-être. Bon, t'as qu'à voir ma gueule pour Je, avoir la je, réponse je, en non, tête, non, hein. mais je pose la question en ayant vu déjà ta réponse sur une vidéo. Moi, Non, je pose des questions mais. pour que tu puisses y répondre. Ok, Ouais. mais Je la connais, j'allais ta dire, réponse. est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu poses la question pour faire du fan service pour les bacuis qui sont dans les commentaires et Non, qui non. tombent sur la vidéo C'est pour par que tu hasard? as, c'est Ou pour est-ce que que tu tu as, non, non, c'est pour que tu apportes, c'est pour que tu Ok. apportes tes arguments pour que tu expliques pourquoi toi tu considères que c'est foutu, en fait, que c'est pas possible. Ah, merci. Non, mais à un moment, j'ai eu un flottement, tu vois, j'étais là. Non, Attends, il non, se pose non, vraiment la non. question, Grégory ou... Non, mais j'y crois pas une Ah seconde. non, moi j'ai ma Je théorie crois que dessus, tu hein, qui n'est vois. pas la tienne, hein, mais au moins comme ça tu peux apporter Ok. ta Ah ouais, propre non, mais vision. je crois que c'est absolument niqué. J'ai même pas envie d'y répondre. Je pense que. Mais écoute, si toi, tu as une théorie, tu es un mec que je considère pas comme un idiot. Si tu as une théorie selon laquelle la remigration n'est pas un délire complet, je t'écoute. Illumine-moi de Eh ta bien écoute. théorie. La remigration, tu y crois. Si, Ok, si. comment ça marche concrètement? Comment tu veux vivre Ce le qu'on va premier faire, c'est là? que lorsque j'aurai le courage et le temps de finir mon ouvrage sur la question, je ferai un plaisir de venir en parler chez toi si tu le souhaites. Bah écoute, je te promets pas d'être bon client, mais je peux t'écouter. Ouais. Peut-être je répondrai, je dirais, ah, je pas sûr, quoi, mais vas-y, si tu veux faire ça. En termes d'intention, c'est très beau, hein, foutre dehors les envahisseurs, mais concrètement, c'est un projet qui demande des ressources. Tu les as, les C'est ressources? ça. Quelqu'un les a? Quelqu'un a la Mais non, volonté ben de... moi, petit bras, non, évidemment. Mais il y a plein d'exemples, et je suis en train de faire pas mal de travaux là-dessus, sur les cas de remigration qui ne se sont jamais appelés remigration ailleurs dans le monde,
Je pense notamment, là, c'est le premier exemple qui vient, parce qu'on parle de Bulgarie depuis tout à l'heure dans le chat, là. Dans les années 70, il y a eu deux cas comme ça, où il y a eu une vague de bulgarisation des noms, et une vague de... En gros, on a foutu pas mal de turcophones et de pomacs dehors. Il y a eu 300 ou 400 000, ce qui, à l'échelle du pays, n'est pas vilain. Et il y a eu ensuite une vague de départ, non pas forcé, mais automatique, pour rebulgariser, c'était la politique de l'époque, rebulgariser la Bulgarie, ça a plutôt bien marché. Il y a des gens qui ont complètement foiré. Donc, je suis en train de faire des recherches pas mal dessus pour voir justement si ça a déjà été fait, dans quelles conditions, quand ça a marché, quand ça n'a pas marché. Quelque chose de très concret. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, c'était juste une question pour que tu puisses donner ton point de vue sur Viens en parler si tu veux, ça serait intéressant. Je pourrais inviter des mecs qui vivent en Bulgarie, qui pourront un petit peu parler de tout ça, et qui sont en contact des Bulgares tous les jours. Et je pense que le Bulgare des années 70, c'est pas vraiment le français de 2020. C'est pour faire simple. Je dirais que c'est pas ceux qui les élites françaises, clairement. Mais dans les Français, on a encore beaucoup. Moi qui suis beaucoup, qui viens des villages profonds du nord de la France, je peux te dire il y a des que... mecs exceptionnels, je dis pas, il y a quelques mecs exceptionnels, mais la masse est dégueulasse, sans déconner, la masse française, je la vomis. Je suis désolé, on le voit bien là, avec le pass sanitaire, on le voit bien d'ailleurs. Toutes les masses. Il y a des pays, croyez pas que je suis anti-peuple, il y a des pays dans lesquels tu me fous dans un bain de foule, je suis bien. Mais là, on parle pas de peuple, on parle de foule, hein, on est d'accord. Hein. On parle de foule. Ouais. Tu me fous dans la foule en Europe de l'Est, c'est là où je suis tout le temps. Je suis bien avec les gens. J'ai pas la haine du peuple. Je considère pas les gens comme des paysans ou ce que tu veux. Non. Je te dis, il y a des foules dans lesquelles je suis à l'aise et il y a des foules dans lesquelles je suis dans une file d'attente de supermarché en France. Et j'entends ce que les gens se disent entre eux. Je suis dans un bus en France, j'entends comment ils se parlent, de quoi ils parlent. Putain, je suis hostile. Je suis en mode, mais c'est des ennemis tous. De temps en temps, il y a un mec exceptionnel. Bah putain, ouais. Et en Europe de l'Est, j'ai pas ce feeling. Je suis dans la rue, je vois que des frères. J'ai envie de les aider, j'ai envie de les aimer. Je croyais pas que je suis dans la haine. Je suis un peu vénère là parce que je parle en français. Mais je suis un mec plein d'amour qui vit là où j'aime, avec les gens que j'aime. Et je fais ce que j'aime. Vraiment. Est-ce que dans ce que tu as vu dans les pays de l'Est, est-ce que tu vois une moins grande différence entre les élites et leur peuple ? Nous, on voit quand même une sacrée différence. Enfin, le peuple est assez hétérogène. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce qu'ils sont plutôt bien représentés par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils paraissent être ? Non, mais je m'en bécouille. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expatrié, je ne m'intéresse même pas à la politique locale. J'en ai absolument rien à foutre. Je m'intéresse au réel. La politique, c'est quoi ? C'est un spectacle politicien avec des mecs dont le boulot, c'est de parler devant un micro pour faire marrer les cons qui sont assez teubés pour regarder leur télé. Je ne regarde pas ça. Je fais mon boulot, je bosse. Ce que je vois, c'est quand je vais dans la rue, comment ça se passe. Quand je parle à des gens locaux, comment ça se passe. Alors, je m'en fous. Ils peuvent avoir n'importe qui au pouvoir. Ou en l'occurrence, en Europe de l'Est, il y a des mecs au pouvoir, notamment en Russie, t'as Poutine. Les rares fois où tu le vois, déjà, tu fermes ta gueule, tu respectes parce que t'as pas envie de te faire éclater. Mais ça fait plaisir. Et quelle est la place de l'étranger, enfin du français, comment il est vu le français en Europe de l'Est, il n'existe pas, il y en a très peu. On est tellement peu nombreux. L'image du français. Ah, bah, est-ce qu'elle est erronée ou est-ce qu'elle commence vraiment à se teinter ? Ça commence à se teinter. C'est-à-dire que je suis arrivé il y a 10 ans, donc j'ai vu l'évolution. Il y a 10 ans, ça faisait encore évolution. Oh, vous venez de la France et tout, génial la France. Aujourd'hui, c'est « Ah, vous venez de la France ? Ah merde, ouais, c'est vrai qu'on a vu des images. Il y a beaucoup d'Arabes quand même. » Et ouais, bien sûr, ouais, on est envahis. Ouais. Il y a des migrants aussi, c'est la merde. Et c'est devenu communiste. Et là, communistes, ils savent ce que c'est en Europe de l'Est, le communisme. Donc, quand tu leur dis « la France est devenue communiste », ils sont là « Ah, putain !» Genre, c'est mort. Et t'es là « Ouais, c'est mort. » C'est pour ça que je suis là. Et là, ils comprennent. Moi, j'ai une petite anecdote. Là, quand j'étais allé en Roumanie, c'était au début des années 2000, on m'avait annoncé, parce que par le copain d'un copain, et ils avaient dit « Ah, les Français, mais ils puent, les Français, ils ont les cheveux longs. » En fait, ils n'avaient que des dreads locaux là, qui venaient chez eux en Roumanie dans les années 2000. Du coup, ils avaient cette image du Français. Comme je suis arrivé, j'étais pas trop dans ce style-là. J'étais, mais tu es français, mais ils avaient cette image-là. Effectivement, l'image de la France change un peu à l'étranger. Le mot de la fin, peut-être Jean-Marie, là, on arrive à 50 minutes, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un message à passer ? Tu en as passé pas mal déjà, hein, mais un message particulier à passer par rapport au contexte politique local, ou est-ce que tu considères que ça ne te concerne plus, ou une petite note d'espoir peut-être pour ceux qui sont encore, qui sont encore dans le bateau ? Non, je te laisse le mot de la fin.
Les gars, la plupart d'entre vous ont pas dû apprécier m'écouter. Voilà, c'est pas très grave. Ceux qui ont passé un bon moment, qui se sont dit tiens, je suis pas tout seul. Ce mec pense un peu comme moi. C'est cool. Il y a un lien en dessous. C'est le lien pour rejoindre DBL. Cliquez dessus. Vous allez rencontrer des frérots. C'est facile. Chez nous, on pense un peu tous pareil. Hein, on est des réalistes. Alors évidemment, on a mettre le lien en commentaire. Ouais. On passe pour des fachos, des sexistes, des capitalistes, tout ce qu'il y a de plus horrible. Nous sommes simplement des réalistes qui constatons factuellement tu vois, ce qui se passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on essaye d'être efficace, de gagner de l'argent. Donc, il faut aller vers l'efficacité. Ceux qui veulent rejoindre DBL, comment faire ? Parce qu'il y a ce lien, mais est-ce qu'ils peuvent te contacter toi directement ou ils passent par un responsable de section ou que sais-je ? On passe pas dans le boss du dernier niveau, c'est pas comme ça. Non, il y a des mecs, des fois, ils essayent de me contacter. Je sais pas comment ça marche. Telegram, je bloque immédiatement. Non, il y a un lien et vous suivez le lien. Tout est fait intelligemment. Il y a des tutoriels, il y a des explications. Il y a un lien sur lequel cliquer, c'est celui qui est en description du live. Et vous prenez le temps de lire, de comprendre. Et vous allez être mis en contact naturellement avec les gens qu'il faut, avec des responsables de groupe. Vous allez avoir accès du contenu. Vous allez voir ce qu'est la communauté. Vous allez le comprendre. Parce que je ne peux pas l'expliquer en une heure de live. Il y a au moins 5-6 heures de contenu qui va vous expliquer ce que c'est, l'attitude à avoir dans des belles, la manière de communiquer, il y a des protocoles, ce qu'on essaye de faire, les opportunités communautaires, ça vous prendra 5-6 heures, ne serait-ce que pour capter ça, c'est comme un nouveau pays, un pays décentralisé. Et une fois que vous l'aurez compris, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je veux apprendre, où est-ce que je veux me placer là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, quelle opportunité je peux récupérer, comment je peux contribuer. C'est un échange. Parce que venir sur des belles, ça vaut 25 balles par mois. C'est que dalle. Enfin, pour des mecs comme nous, tu vois, c'est rien du tout. Mais l'idée, c'est ce qu'on attend de toi, c'est pas le paiement de ton abonnement Netflix. Ce qu'on attend de toi, c'est de l'énergie humaine. Ce qu'on veut à des belles, c'est des âmes. Des belles n'est pas un projet financier. Ça représente une toute petite partie de mes revenus aujourd'hui, des belles. Ce qu'on veut, c'est des mecs de valeur qui viennent contribuer, offrir. En échange, ils vont recevoir énormément. Ils vont être avec des gens qui leur ressemblent. Ce qui est inespéré, ce qui donne du sens à la vie. Si ça te parle, bienvenue. Et si ça te parle pas, c'est pas grave. Tu sais ce que je pense. Voilà. Voilà, c'est dit. Bah, merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir accepté d'échanger sur toutes ces questions-là. Et bah, on se dit, si tu as une seconde, on pourra débriefer juste après l'émission. Et en attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On sera avec vendredi 21h avec Julien Rochdy qui sort de convalescence. Bon, ça a été rapide, mais voilà. On sera avec la semaine prochaine. Je vous dis à très très bientôt. Vous pourrez revoir cette émission en replay. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les petits commentaires, les petits machins qui vont bien parce que vous imaginez bien que l'algorithme de YouTube n'est pas très sympa avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt.